Hey, quelle apparition incroyablement gênante! Faire c'est trop marrant de faire ça, je vais vous demander une petite série d'exercices à faire, j'ai l'impression d'être un prof de maths, et puis bah à vous de les réaliser. Pour commencer, j'ai envie de lancer une espèce d'introduction, un espèce de jingle, c'est parti! On est parti après 30 minutes de sondage floor, on lance le nouveau son de David Guetta, c'est parti! Après ça, plusieurs exercices vont apparaître durant cette vidéo, j'aimerais tout de suite que dans ma main, vous fassiez apparaître un pot de fleurs, par exemple. Et puis maintenant, j'aimerais que vous fassiez apparaître un avion, un hérisson et une bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, je vais la prendre comme ça et je vais la mettre sur mon aquarium. C'est vraiment les exercices nuls. Genre, je me dis, tous ceux qui font pas de montage et qui vont télécharger le WeTransfer pour voir ça, ils vont se dire, c'est qui ce con? C'est donc ça mon youtubeur préféré. Bah, petite question, c'est débile, mais moi j'ai pas l'occasion de vous voir en face à face et j'avais pas envie de faire quelque chose de traditionnel en mode vous m'envoyez un CV, une lettre de motivation ou quoi. Du coup, je me dis, bah, est-ce que ce serait pas l'occasion pour vous de vous présenter rapidement? Du coup, première question, que fais-tu dans la vie et où vis-tu? Putain, c'est dingue! Comme quoi la vie est incroyable! C'est gênant! Gênant sa mère, mais c'est trop marrant, je trouve. Deuxième question, est-ce que tu regardes des mangas et si oui, lequel tu aimes? Moi, personnellement, j'aime beaucoup Shigatsu wa Kimi no Uso et One Piece, mais je pense qu'on l'a fait plus, du coup, toi, c'est quoi? Ah ouais? Et pour quelle raison, du coup? Dernière question, combien font 17 x 37? Je veux que tu montes la façon dont tu calcules, bah, tout simplement, ce calcul, comment tu t'y prends. Je veux que tu montes là, à l'écran. De base, je cherche quelqu'un d'auto-entrepreneur, enfin qui est en auto-entrepreneuriat en tout cas, qui est majeur forcément, très disponible, si possible qu'il puisse se déplacer sur Angers, c'est vraiment le but, histoire qu'on puisse collaborer ensemble, exposer et tout ça, doté de la fibre optique, ça me paraît essentiel. Sachant aussi que ce que je veux en soi, c'est vraiment une relation monteur-youtubeur, entre guillemets, monteur-vidéaste, je sais pas comment vous voyez la chose, vraiment très, j'allais dire très soudé. Oui, c'est un peu ça en fait dans l'idée, j'aimerais qu'on forme vraiment un duo et qu'on pousse la chaîne vers le haut, que ce soit vraiment quelque chose d'innovant sur YouTube, qu'on charbonne en fait tout simplement. Et vous voyez notamment que tout est extrêmement bien rangé dans le cadre. Oh, et c'est pas très pro comme manière de faire, mais c'est vraiment expérimental pour moi aussi. Hein. C'est le pire truc, j'ai jamais fait un truc aussi peu pro, mais j'ai vraiment envie que ce soit très spontané comme tournage. Voilà, et c'est complètement en biais, mais c'est pas grave. Après tout, c'est un bateau qui tangue. Est-ce que vous pourriez faire tanguer l'image à l'instant T? Par exemple, si je fais quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez, à l'instant T aussi, faire passer un avion au-dessus de ma tête? Je vais voir un peu comment vous y prenez. Et j'aimerais également que vous m'affichiez juste ici votre prénom, votre âge et la raison pour laquelle One Piece est le meilleur animé de cette planète. Voilà, c'est juste pour voir de quelle façon vous intégrez le texte et de quelle façon vous intégrez les objets. Souvenez-vous, vous êtes absolument jugé sur tout et c'est un gars avec la caméra en biais qui vous dit ça. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Laissez-moi réfléchir. Comment leur dire que je ne vais pas les payer et qu'en fait j'essaie de les arnaquer depuis le début? Je n'ai plus d'idée, il faut que je trouve quelque chose pour devenir innovant. Comment exploiter le maximum de leur potentiel durant cette vidéo? Est-ce que je vais acheter ce soir du pain mis ou bien des œufs au lait? Eh bien écoutez, ça fait maintenant 9 minutes et 50 secondes qu'on tourne cette vidéo. Je vous suggère donc de clôturer cette vidéo en, par exemple, en me faisant... Ah, ça va être compliqué de me faire décoller. Eh, je sais pas, vous savez quoi? Imaginons qu'il y ait des génies parmi vous, faites-moi décoller maintenant. Des bisous!